Le bataillon d'infanterie français, constitué à 70% d'engagés et 30% d'appelés, issu pour la plupart de la 10e division blindée, est renforcé d'unités de la 1ère armée et de la 8e division d'infanterie. C'est au début de l'automne 92 que le bataillon s'est envolé en trois rames successives vers le territoire de l'ex-Yougoslavie. Après 1h30 de vol, les futurs casques bleus atterrissent à Split, en Croatie, où ils sont accueillis par leurs prédécesseurs du 2e RIMA. Pour rejoindre leur position définitive, les unités longent tout d'abord la côte adriatique vers le nord, jusqu'à Zadar, puis, brutalement, pénètrent en Kraïna du Sud, dans un secteur très éprouvé par la guerre, dont le centre se situe à Gratchak. Le bataillon est composé de 8 compagnies. À chacune de ces compagnies, un secteur est attribué. La première compagnie, commandée par le capitaine Kost du 4e régiment de dragons, se déploie dans le secteur de Svetirov. La deuxième compagnie, commandée par le capitaine Coleman du 4e régiment de dragons, dans le secteur de Lovinac. La troisième compagnie, commandée par le capitaine Consigné du 13e régiment de dragons parachutistes, dans le secteur de Donjilapa. La quatrième compagnie, commandée par le capitaine Claire du 16e groupe de chasseurs, dans le secteur de Maslenitsa. La 5e compagnie, commandée par le capitaine Zanolini du 8e régiment d'infanterie, dans le secteur de Zemunik. La compagnie logistique, commandée par le capitaine Bertrand du 3e régiment d'artillerie de marine, à Matrach. La compagnie génie, commandée par le capitaine Marotte du 3e régiment du génie, s'installe à Zvetirov. La compagnie de commandement et des services, commandée par le capitaine Autier du 151e régiment d'infanterie, s'installe avec le PC du bataillon à Gratchak. Les premiers jours de présence sur le sol de la Kraïna donnent au bataillon l'occasion de découvrir un pays ravagé par la guerre.
La mission de maintien de la paix doit durer 6 mois. Chacun s'y consacrera avec professionnalisme, courage et impartialité.
Au cours du séjour, de nombreuses personnalités, civiles et militaires, honorent le bataillon de leur visite. Par solidarité avec l'action menée en France, le bataillon participe au Téléthon 92 le 5 décembre en organisant une course autour du site de Gratschak et récolte la somme de 10 180 francs qui sera adressée à l'Association française contre la myopathie. Le 9 décembre, les personnels de l'arme du matériel fêtent leur saint patron, Éloi. Pour Noël, le bataillon croule sous les cadeaux venus de France. Chacun est très touché par ces marques d'attention. Les fêtes de Noël sont aussi l'occasion d'organiser un concours de crèche pour lequel toutes les compagnies rivalisent d'imagination. Ici Charlie 3, tapioca. Ici Fox November envoyé. Charlie 3, ici Fox November reçu. Charlie 3. Le 22 janvier, les unités du bataillon sont brusquement plongées au cœur des combats. La 4e compagnie à Maslenitsa, la 1ère compagnie au Mali à Lannes et la 5e compagnie à Zemunik. Les hommes assistent impuissants à la reprise des hostilités, mais face aux chars et à l'artillerie, ils se comportent tous avec courage et détermination. C'est au cours de ces violents affrontements que le sergent-chef Duvet est grièvement blessé à Paljouve le 23 janvier et que l'adjudant Rodange et le sergent Canavez trouvent la mort à Karine le 25 janvier. L'état-major, organisé en PC de crise, met tout en œuvre pour récupérer les unités au contact. La 4e compagnie tout d'abord, le 26 janvier. La 5e compagnie ensuite, dont le désengagement aura été particulièrement difficile et dangereux. Le 29 janvier, le colonel Maquet s'adresse à eux et leur fait part de son admiration.
Il reste enfin à récupérer la section du lieutenant Le Floch, de la première compagnie, qui tient depuis plus d'une semaine seul le col du Malialan. Le 31 janvier, l'ensemble des personnels du bataillon est enfin à l'abri. Voici maintenant 6 mois que nous servons au sein du bataillon d'infanterie français de la Fort Pronu en Krajina du Sud, dans l'ex-Yougoslavie. Vous avez connu des moments d'une grande intensité et vous avez montré dans des circonstances difficiles et très complexes toute votre détermination, votre courage, votre grande solidarité. Vous venez d'acquérir, chacun en ce qui vous concerne, une grande expérience personnelle et professionnelle. Au moment où nous allons rejoindre notre pays, notre régiment, notre famille. Je connais votre émotion, car cette terre de Krajina vient de vous marquer pour toute votre vie. Sachez que j'étais très fier de commander un bataillon comme le vôtre.